Donc moi, je vous prendrai Weeping Woods. Donc vous êtes simplement en haut de la tour. Vraiment, c'est très important. En haut, comme ça, vous aurez un peu peut-être la vue sur tout le monde qui se prendra à Weeping Woods. Hop, donc moi, je suis parti en prenant point pour pas que, bah, en solo, il y a des gens qui viennent me déranger et tout. En fait, vidéo qui viennent me tuer, je peux pas présenter. J'ai pas aussi également voulu aller en la boule combat, vu qu'après vous voyez pas l'XP que je gagne. Certes, là vous allez pas voir vu qu'il y a des gens, mais au moins vous allez voir un petit exemple. Certes, c'est pas peut-être, mais c'est pas le meilleur endroit pour spawn, pas pour trouver des ennemis. Mais il y a pas beaucoup de gens qui vont à Weeping Woods. Il y a peut-être sur 10 personnes, il y en a peut-être 4-2 qui vont à peu près. Donc vous allez être tranquille. En plus, si vous spawnez en haut, tout en haut de la tour, vous allez tout simplement avoir l'œil sur tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde pourra, vous pourrez voir tout le monde. Donc c'est vraiment cool. Hop. C'est vraiment cool. Après, certes, il y a peut-être comme il y a les arbres et tout, ça reste peut-être des dérangés. Donc ouais, on sait jamais, mais au moins vous pouvez quand même bien fermer. Hop, voir du shield aussi dès que vous en trouvez, c'est très bien. Et bah, je pense que tout le monde sait ça, mais dès que vous avez un pompe et du shield, vous allez rusher, hein. En fait, vous serez tranquille ensuite. Mais surtout qu'il y a Wolverine, et Wolverine, ça peut vous gagner aussi des points. Par exemple, si vous êtes en arène, je crois qu'il y a Wolverine, vous pouvez le tuer, mais vous pouvez le tuer, mais vous pouvez pas avoir l'arme mythique. Genre, par exemple, c'est comme pour Iron Man, vous pouvez le tuer. Il n'y a pas les armes mythiques, mais en tout cas, il y a comment ça s'appelle? Il y a juste la carte, comme si vous pouvez rentrer quoi que soit fort. Même si je sais que justement Wolverine n'a pas de carte, il est tout seul à Weeping Woods. Hop, vous pouvez suivre le même chemin que moi, même si je sais qu'il y en a qui sont trois fois mieux, qui sait mieux les emplacements des coffres et tout que moi. Surtout que maintenant les coffres ne spawnent plus à 100%. Donc c'est un peu saoulant, on va dire. C'est nul maintenant, les coffres ne spawnent plus à 100%, du coup c'est nul. Mais c'est pas grave, au moins on a des coffres, au moins on joue, au moins on a des armes. Hop. Hop, Crazy Boy qui est sorti. Je voulais qu'elle soit rare, vu que je l'avais, je voulais qu'elle soit rare justement, mais malheureusement ils l'ont sorti. Je ne sais pas pourquoi. Il aurait dû la faire rare parce que je sais pas, c'était la seule danse rare que j'avais en tout cas. Hein, mais bon. Personnellement, moi je voulais qu'il la fasse rare, la danse Crazy Boy, mais malheureusement il est sorti. En tout cas, moi personnellement, dites-moi ce que vous avez acheté dans les commentaires comme skin de Halloween. Peut-être que vous avez acheté la fille squelette ou le garçon squelette. Donc bientôt peut-être, il y aura bientôt peut-être la variante squelette qui arrivera et tout. Moi personnellement, j'ai acheté la fille parce que je sais pas pourquoi, je suis plus attirée par les skins filles que les skins garçons sur Fortnite. Donc je sais, je pourrais pas vous dire pourquoi, mais je sais pas. En tout cas, moi j'ai 3600 V-Bucks, donc je compterais bien acheter la goule rose et également le nouveau skin, un nouveau skin d'Halloween qui arrivera. Donc je sais pas comment vous le dire, lequel et tout, mais c'est pas grave. Hop, comme vous voyez, comme vous avez vu aussi, je ne spam plus. Enfin, je spam, tu vois, mais c'est les gens spam. Et également, je suis juste plus en train de prendre. Je spam qu'avec l'AR, pas jamais le pistolet mitrailleur maintenant. Voilà, donc vous allez tout simplement faire à peu près le même chemin. Et également, juste ici, à côté de cette roche là, il y a une pièce d'XP violette. Donc je vais vous montrer sur la map où. Ici. Il y a une pièce XP violette ici sur mon point, donc vous allez hop 10 000 XP gratuitement, donc ça fait plaisir. Et je pense que ce sera tout pour cette vidéo, hein. Je vous ai tout montré. Certes, elle est courte et tout, mais voilà. Ça fait également très longtemps que j'ai pas fait cette série, que j'ai pas continué cette série. On s'est arrêté à la saison 2, épisode 1. Donc là, c'est la saison 2, épisode 2 que je vais vous montrer. Jusqu'à 5, ensuite dans la saison 5 de Fortnite, chapitre 2 de saison 5, on fera également une autre série, voilà. Donc moi je pense que ce sera bon. Moi je vous dis peace.